Au Cameroun, que restait-il de l'opposition au régime de Paul Biya? La question court désormais les rues et suscite parfois une vague d'indignation. Alors que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre encore brillamment sa brillante victoire aux élections sénatoriales du 15 mars dernier, la crise interne au sein du social-démocratie Front, longtemps considéré comme le principal parti d'opposition, et l'annonce spectaculaire par le MRC de prendre désormais part à tous nos scrutins à venir suscite des interrogations sur la capacité des forces d'opposition à affronter les échéances de 2025 qui arrivent en grande enjambée. Au regard des scores engrangés pendant les dernières élections au Cameroun, l'on est en droit de constater que l'opposition fait cas de figurant et davantage animée par des convulsions émanant de quelques attitudes déséquilibrées entretenues par des camps diamétralement opposés. Et d'ailleurs, selon certains observateurs avertis de la scène politique camerounaise, les résultats de la récente sénatoriale apparaissent comme un puissant révélateur d'un profond malaise au sein de cette opposition qui a réussi à mettre en exergue l'étendue des lignes de clivage qui ont gagné en intensité au fil du temps. Comment comprendre alors que ceux qui veulent apporter le changement ne changent pas? Qu'est-ce qui explique les échecs répétés de l'opposition au régime de Paul Biya? Peut-on dire que les multiples crises internes traversées par certains partis de l'opposition ont fini par susciter des questions sur ce qui reste de l'opposition camerounaise au moment même où le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce qu'il prendra part à tous les scrutins à venir? Le problème serait-il au niveau de la participation à une quelconque élection? À vrai dire, sur le plan structurel, l'opposition est trop dispersée, elle n'a pas suffisamment de moyens et son offre politique est faiblement audible, selon certains analystes. Elle devrait donc pourtant faire preuve de sa compétitivité si elle veut exister. En attendant la présidentielle, les législatives et les municipales prévues en 2025, l'opposition doit tirer quelques leçons de la sénatoriale. Sans doute, la crise interne au sein du social-démocratique Front aura déjà tiré toutes ses conclusions. Est-ce à dire que le rassemblement démocratique du peuple camerounais pourra avoir du répondant? Cette question nous intéresse ce matin. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à la palabre intellectuelle. Bienvenue au débat. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Tout est le réel plaisir de vous avoir ce matin dans le cadre de la revue des tabous dans sa version débat. Une thématique nous intéresse, bien sûr. Nous interrogeons sur l'avenir de l'opposition au Cameroun. Cameroun, élection à venir. Le rassemblement démocratique du peuple camerounais peut-il avoir du répondant? Lorsqu'on sait qu'en 2025, les Camerounais iront certainement aux urnes pour élire et les maires, et les députés, et bien sûr le président de la République. Est-ce que cette opposition pourra donc sortir enfin la tête de l'eau? Nous allons mener la réflexion sur ce plateau pour essayer de comprendre quels sont les mots qui mènent cette opposition camerounaise et pourquoi elle tarde à se définir comme les années 90 où elle avait pourtant frôlé le pouvoir. De toute façon, nous allons y voir avec ce panel déjà installé sur ce plateau, confortablement ici. Ils sont d'ailleurs tous arrivés malgré la pluie qui s'abat sur la ville de Douala. Ils ont répondu présent à notre invitation. Ça me fait beaucoup plaisir. Et certainement, c'est pour le meilleur de l'information, chers téléspectateurs. C'est pour vous qu'ils sont là ce matin. Nous allons y aller. Docteur Jean-René Ndoumafis est universitaire, expert en finance et décentralisé à mon extrême gauche. Docteur Jean-René Ndoumafis aime d'ailleurs se dire panafricaniste. Il adore d'ailleurs cette expression de panafricaniste. Docteur, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour, mon cher Raoul Bena. Merci pour cette autre invitation. Mais surtout, très ravi de te revoir en super forme. Parce que, on imagine. Voilà, on imagine qu'on est en super forme. Quelques, voilà, quelques bobos qui sont liés au climat. Voilà, donc nous sommes très contents. Moi particulièrement, de vous avoir à nouveau. Tout à fait. On dirait qu'il y a ce pas les cucus ou les rues maintenant qui fait en sorte que tout le monde peut l'attraper. Apparemment, même c'est la période. Moi-même, j'en suis victime. Donc, Dieu sait, c'est là où nous sommes, voilà. Vous et moi. Heureusement que nous sommes debout et, voilà. Et nous essayons de poursuivre notre chemin. Donc, le vrai Dieu sait que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Pour l'Afrique et pour l'humanité. Donc, ce sont juste des petits passages pour nous conforter.
pour nous ressourcer à nouveau dans cette dynamique. Vous avez fini par célébrer aussi la victoire du RDP sur Naturel. On apprend d'ailleurs que cette semaine, la deuxième législature, la troisième législature de ce Sénat, effectivement pris fonction. Et dès ce soir, d'ailleurs, les nouveaux sénateurs porteront les attributs d'après les informations que nous avons. On s'est dit, c'est vrai que vous n'êtes pas ancré dans cette machine, mais vous pouvez quand même célébrer avec quelques amis. Docteur Douma, qui, pour la toute première, entre au Sénat, oui, je pense, faut se à Robert Kiel, le ministre Robert Kiel. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. vu sous cet angle-là, j'apprécie et je félicite ceux qui ont été d'une part élus, d'autre part nommés. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, je les félicite parce qu'ils ont dû travailler pour ça. Tout à fait. Maintenant, lorsque on est porté à de très hautes fonctions comme celle-là, qui sont des fonctions qui vous poussent à porter le peuple. Tout à fait. Parce que le Sénat, pour parler particulièrement de cet organe, représente des collectivités territoriales décentralisées. En plus du contrôle de l'action gouvernementale. Voilà, évidemment, en plus du contrôle de l'action gouvernementale. Et tout ce qui concerne les conditions de vie des citoyens, tout ce qui concerne l'encadrement des populations, tout ce qui concerne le développement même de ces populations-là sur le plan même stratégique, concerne quand même le Sénat et les sénateurs. J'ai suivi quelques interviews. De certains anciens, mais aussi de certains nouveaux. Alors, pour les anciens, ce qui a retenu mon attention, c'était de dire que nous avons fait du chemin. Les deux premiers mandats étaient de l'expérimentation dont nous maintenant, avons acquis maintenant. Maintenant, il faut implémenter la chose. Et donc, la troisième mandature va leur permettre, nous l'espérons, de pouvoir véritablement travailler de manière à ce qu'on voit l'incidence positive au niveau des conditions, n'est-ce pas, des populations. Au niveau des conditions, là où on mesure l'efficacité, n'est-ce pas, et la perspicacité des actions qui sont menées au sommet, qu'on voit au niveau du bas peuple, comment est-ce que les gens s'en sortent davantage, et on ne peut qu'encourager cela. Pour les nouveaux, je pense qu'ils ils sont émerveillés, ils vont essayer de s'acclimater, mais ils ont l'avantage, à mon avis, de venir peut-être avec un autre regard, même si c'est le même parti politique pour la plupart, mais devenir quand même individuellement avec un certain orgueil, entre guillemets, de pouvoir faire bouger des lignes. Tout à fait. Très bien, docteur Jean-René Ndoumafis, universitaire. Mais surtout que prochainement, on n'aura pas 100% d'un seul parti politique. On espère voir. Voilà justement pourquoi cette opposition. Si le chef de l'État, dans les 30, a quand même fait une fleur à certains partis dits d'opposition. En nommant 6. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Effectivement, on en parlera peut-être lorsqu'on aura l'occasion. On rappelle d'ailleurs qu'ils sont 94 sénateurs issus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 6 issus des formations dites de l'opposition. Ça fait 100 sénateurs qui donc vont siéger pour cette troisième législature. La toute première a eu lieu en 2013, la seconde en 2018 et la troisième maintenant en 2023. On espère que des choses évoluent. Nous allons saluer les nouveaux. Le professeur Robin Kiel, ancien ministre de la République, qui a été donc le chef d'État s'est souvenu qu'il est d'ailleurs l'un de ses beaux-frères. Il a nommé sénateur de la République et c'est bien pour le nom Ifoumou. Et dans son monongo mandatal, là il sort tout droit d'Indom. Nous allons également saluer son nouveau, Tchédétien Kichanga, connu d'ailleurs du grand public de la ville de Douala, qui va également siéger en tant que titulaire cette fois-ci. Il était d'ailleurs suppléant de Feu Kemadio, peu à son âme. Il va siéger maintenant en tant que titulaire. Ils sont beaucoup. Mangazan, qui a porté des fichiers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à une période donnée. Il a même été l'un des adjoints au maire de Douala, la troisième. Lui aussi, il devrait officier en tant que sénateur. N'oubliez pas Pierre Flambeau, Gariop, les anciens déjà et tout le reste. Nous allons dire beaucoup de courage à ce Sénat qui va donc officiellement prendre fonction. Alors, président Bandakani est notre second invité sur ce plateau. Bandakani, en politique, président du nouveau mouvement populaire, panafricanisme dans l'âme, j'aime le dire. Mon grand frère personnel a répondu à ma convocation civile ce matin. Président, bonjour et merci de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir de te retrouver, papa, dans le cadre de cette émission.
qui a pris toute sa place dans le paysage médiatique africain, en général les Camerounais. C'est à tout à ton honneur. Merci beaucoup, président. Je salue mon co-panéliste. Le temps que vous présentez les autres, je le ferai par votre place. Je salue le docteur Douma. La profondeur de nos relations sont connues. Je ne veux pas y insister. Je suis content de le revoir sur ce plateau, de revoir les techniciens. Ça fait quelques semaines, je n'ai pas pu être là pour des raisons que vous connaissez. Je salue les techniciens. Je salue le travail ingrat qu'ils font parce qu'on ne les voit pas, c'est nous qu'on voit. Mais sans eux, on ne peut pas nous voir. Bon, je les salue. L'autre maquilleuse est malade, je ne l'ai pas vu ce matin. Si elle nous regarde ce matin, je lui fais un coco. Elle s'occupe toujours de nous pour une fois qu'elle est malade. Je voulais lui témoigner ma solidarité ce matin. Je parle de Judith. Notre Judith. Voilà. Merci beaucoup, président Badakani. Alors, vous avez célébré avec faste les sixièmes des années, les journées africaines du panafricanisme. D'ailleurs, le sixième congrès a eu lieu bel et bien. Le week-end, je suis parti, c'était à Yaoundé, précisément à l'hôtel ce matin, c'était le 1er et 2 avril 2023. Président Badakani, nous allons vous présenter toutes mes excuses. En tout cas, je présente les miens. J'étais vraiment malade, je le suis encore. Je n'ai pas pu effectuer le déplacement, mais j'étais de tout cœur avec le nouveau mouvement populaire, un parti qui prône au haut niveau le panafricanisme, non seulement au Cameroun, mais au-delà des frontières camerounaises. Alors, est-ce que l'objectif qui a été visé a été atteint durant ces deux assises qui ont eu lieu à Yaoundé? Ben, il faut préciser que c'était la continuité de la partie 1 qui, elle, a eu lieu à Douala, au mois d'août de l'année dernière. Vous étiez tous là. Le succès qu'avait eu cette première partie se passe de commentaires. Alors, on s'est déporté à Yaoundé pour finir la partie 2 autour de deux thèmes majeurs. Les problèmes stratégiques du monde nouveau du XXIe siècle et l'alternative gouvernementale panafricaniste. Donc, on a notre professeur invité qui est venu du Canada, qui était là, le professeur Mibo Mitandongo, qui a fait un travail excellent, et nous-mêmes qui avons animé l'autre thème. Alors, moi-même, j'ai été surpris par l'affluence. L'hôtel s'est avéré très petit pour accueillir tous ceux qui se sont mobilisés. S'ils m'écoutent ce matin, je voudrais leur témoigner toute l'autre reconnaissance pour cet engouement aux idéaux panafricanistes. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu le moindre incident, même si ça n'a pas été facile d'obtenir l'autorisation. Mais il a quand même été donné. Je ne suis pas de ceux qui dénigrent mon pays, donc on fait avec. On ne va vraiment pas se plaindre. Donc on a pu, après une bataille extraordinaire, tenir la manifestation. Ça n'a pas été facile. Mais tout s'est bien passé. Et les différents intervenants ont rempli leurs devoirs. Les participants, pendant deux jours, du matin jusqu'à 23 heures, étaient très assidus. C'est quand même rare de voir ça, que des gens consacrent deux jours pleins, du matin jusqu'à 23 heures, pour réfléchir aux problèmes de l'Afrique et du Cameroun. On l'a fait. On rend grâce au vrai Dieu pour ça et on se donne les moyens et le repos nécessaire pour le premier front, le prochain front qui se prépare et dont vous aurez la teneur le moment venu. Donc tout s'est très bien passé. Alors notre ami Jean-Jacques Sédjou nous a promis beaucoup d'images, c'est tellement, nous adorons, vous adorez pour vendredi prochain, je vous promets, vous allez voir vivre quelques temps forts de ce qui s'est passé bel et bien à l'hôtel Somatel à Yaoundé, sur le thème « Déstabiliser et mettre hors d'état de nuire une fois pour toute l'alliance globale néocoloniale et récolonisatrice qui veut déstabiliser le Cameroun ». C'était la thématique principale qui portait donc ces deux jours des assises qui ont eu lieu effectivement à Yaoundé à l'hôtel Funatel. Je rappelle, c'était le sixième congrès panafricanisme dans sa deuxième partie. Vous savez que le président Badakani, le président du nouveau mouvement populaire, le procureur des journées du panafricanisme du 21e siècle. Et dans ce sens, donc, chaque année, il y a des thématiques et des animations de ce genre qui éveillent cet esprit panafricaniste et qui donne un élan de solidarité à toute l'Afrique qui devrait s'unir autour d'un même objectif. Merci beaucoup, président Badakani. Philippe, une autre information, on en a où? Oui, non, mais là, lundi, on va faire une autre action. Lundi, nous organisons une journée de solidarité avec la Centrafrique. J'annonce, mais
nous allons respecter la loi dans notre pays, on va demander, on va déposer le dossier de, ou demander l'autorisation de tenir un point de presse. Cameroun, c'est un État organisé, il faut respecter la loi. Donc, mais on annonce ça, ça sera lundi, à l'hôtel Beau Séjour, on fait une journée de solidarité avec le Centrafrique. C'est ce qu'on dit, hein, c'est le Centrafrique. Pour soutenir ce pays qui fait face à des problèmes, à des contraintes, à des, pratiquement des complots internationaux inacceptables. Donc on va lui apporter notre soutien, on va faire un point de presse, n'est-ce pas, et puis une action presque diplomatique va se mettre en branle pour interpeller les institutions de la sous-région internationale sur le caractère inacceptable de ce que ce pays subit avec une mobilisation des arguments inattaquables. Tout à fait. Bon, on va le faire, on va le faire lundi. Pour ça, demain, me regarde, mais j'apprends ça. Non, je n'ai pas encore distribué, mais tu seras invité. Ah, donc, pas. Ça sera connu, le moment donné. C'est parce qu'il m'a pris de court que je l'annonce comme ça. Voilà. Vous savez, on a là des points, du coup, hein, président Matakane. Bien sûr. Nous allons toujours fouiller dans les tréfonds des ventres pour obtenir d'ailleurs la primeur. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu cette primeur sur ce plateau, président Matakane. On est poussé à le dire. Vous êtes derrière mon grand frère personnel. J'étais sûr que je devrais avoir cette primeur avant tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut refuser à son petit frère? Merci beaucoup, président Badakani, et beaucoup de courage avec ce mouvement que vous faites tisser dans la toile. Ça fait beaucoup de plaisir d'entendre des choses de ce genre. Le troisième invité sur ce plateau est notre patriarche, le patriarche Abel Edimbi Lobé, homme politique connu d'ailleurs du clivage politico-administratif camerounais. Il faut rappeler qu'Abel Edimbi Lobé est l'un des propulseurs également d'un mouvement de l'opposition qui, malgré tout, prend quand même de l'envol, même si on ne peut pas le ressentir de façon exacte. Abel Edimbi Lobé est notre patriarche, notre invité d'honneur ce matin. Patriarche, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour Raoul et merci de me donner une fois de plus l'occasion de m'exprimer sur l'opposition camerounaise en ces moments-ci. C'était pour moi important, d'autant plus que depuis un certain temps, notamment à partir de 2017, après les élections de 2013, le développement de l'analyse sur les échecs à répétition, vous en avez parlé et on en parlera beaucoup. Le développement de l'analyse, disais-je, m'a déterminé à parler avant tout, dorénavant, à mes frères de l'opposition. Et je considère que cette émission est une nouvelle opportunité qui m'est offerte pour leur parler de nouveau. En ce moment où on se rapproche effectivement de 2025, qui est une grande année électorale. Parce qu'en 2025, il y aura les élections législatives, les élections municipales, les élections régionales et les élections présidentielles. Donc, c'est une grande année électorale. Et les élections régionales sont déterminées par les élections municipales. Ce sont les gains que vous engrangez dans les élections municipales qui déterminent les gains probables que vous pouvez avoir aux élections régionales. Et comme vous avez également cité les élections sénatoriales qui viennent de se terminer, elles ont été tributaires des résultats que les gens ont eus aux élections municipales de 2020. Donc, il faut déjà commencer par remarquer que, contrairement à ce qu'une certaine vision simpliste des choses a voulu faire croire, le président Biya, en manipulant le calendrier électoral, a conçu les choses de telle sorte que tous ceux qui ne font pas suffisamment attention se retrouvent dans un piège terrible. Terrible dans lequel il sera très difficile qu'ils en sortent. Vous voyez, les élections sénatoriales se déroulent après les élections municipales. Mais les conseillers qui votent les sénateurs
eux-mêmes sont en cours de mandat. Quand ils seront renouvelés, ils n'auront pas directement l'impact sur les sénateurs qui sont déjà en place. Donc c'est une organisation savamment pensée qui doit nous amener, maintenant que tout le monde voit les effets, à reconsidérer les opinions que nous avions vis-à-vis du régime. Entre autres que le régime n'est pas une feuille de papier qui est posée sur la table dès que vous soufflez et elle tombe. On n'en parlera, vous n'êtes pas d'accord dans ce débat. Voilà. Je voudrais vous interroger sur, en deux ou trois petites minutes, où en sommes-nous avec cette affaire de Dicolo maintenant? C'est près d'un an maintenant. Bientôt, on en est encore à pleurer. Oui, bientôt, on continue à pleurer. J'invite d'ailleurs tout le monde à continuer à pleurer parce que nous avons mené un combat juste. Et les choses de ce pays étant ce qu'elles sont, nous avons jusqu'à maintenant obtenu que les malfaiteurs ne l'emportent pas. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas emporté. Parce qu'on n'a pas restitué aux ayants droit ceux qui avaient les titres fonciers à Dicolo. On ne leur a pas restitué leurs terres. Pour le moment, leurs terres se trouvent dans une situation de non-droit. L'État, eux, ils sont propriétaires, ils ont leur titre foncier. Personne ne leur a retiré les titres fonciers. L'État est venu se faire établir des titres fonciers sur les titres fonciers des autres, ce qui est illégal et qui fait en sorte que pour l'une des rares fois, l'État du Cameroun est quasi en situation d'illégalité. Mais en même temps, le même État du Cameroun, par le truchement du ministre des Domaines, a fait un bail sur les terrains d'autrui qui sont toujours propriétaires de leur terrain. Vous voyez une situation juridique cocasse comme celle-là, où on ne sait plus très bien où est le droit, où est la faute, qui est en faute, etc. Puis tout ça est remonté au chef de l'État et on a d'abord gelé tout, on attend, mais ça fait un an qu'on attend et nous posons la question de savoir est-ce que pour prendre une décision qui rétablit les gens dans le juste, dans leur droit, il faut attendre autant de temps. Qu'est-ce que cette attente aussi prolongée cache? Le 14 mai prochain, ça sera l'anniversaire de la première année de cette tragédie, de ce drame qui a frappé les enfants de Dicolo. Et quand nous voyons ce qui se passe maintenant à Yaoundé avec l'affaire Carrefour, où on a donné des terrains d'autrui à Carrefour pour construire un magasin en utilisant la technique de l'expropriation pour cause d'utilité publique, nous nous rendons compte que ce qui est arrivé aux enfants de Bonanjo, à Dicolo, eh bien, peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle partie du territoire. Cela fait donc que la question de Dicolo doit être d'actualité dans nos esprits. Elle nous prouve que nous sommes en insécurité, que le titre foncier ne nous protège de rien, que les dispositions de l'article 95 de la loi sur l'urbanisme, qui dit que l'État assure la sécurité foncière urbaine aux détenteurs des titres de propriété, cette loi-là ne nous protège contre rien. Le ministre des domaines peut décider qu'il prend votre terrain. On croyait dans le passé que l'État ne pouvait le faire que pour des intérêts généraux. Construire un commissariat de police, construire un hôpital, un établissement scolaire, etc., des services publics. On se rend compte aujourd'hui qu'on peut arracher le terrain de M. Raoul Bena, on peut arracher le terrain de Dash, de l'entreprise Dash TV, on peut prendre le terrain de Bandakani, on le confie à M. Y pour qu'il construise son centre universitaire. Et on considère qu'un centre universitaire privé est un bien public ou est d'intérêt général. Ce genre d'acrobatie intellectuelle pour justifier des forfaitures, nous devons nous mobiliser. Donc j'appelle les gens qui nous ont aidés dans la première phase de ce combat à obtenir que les imposteurs n'arrachent pas définitivement ce terrain, à revenir. Et le 14 mai qui s'annonce là, ça sera un jour de commémoration. Là, les modalités pratiques de ce qui va, le déroulement concret de la journée seront connus. Je vais m'exprimer largement là-dessus. Mais il faut que les uns et les autres sachent que notre combat n'est pas terminé. Le chef de l'État n'a encore rien dit. On ne sait même pas s'il va dire. Parce qu'au moment où l'âge
le l'étreint de plus en plus, des tas de choses qui auraient dû ne pas se produire se produisent dans le pays, perturbent sa sérénité du vieil homme qu'il est devenu, ainsi de suite. Et notre problème peut passer au second plan si on ne fait pas attention. D'où la nécessité de d'exhorter les gens à se mobiliser de davantage. Tous ceux qui ont quelque chose qu'ils peuvent donner pour que la justice soit rétablie. Pas seulement en faveur des enfants de Dikolo, mais en faveur du droit. Tout à fait. Et de l'état de droit. Très qui bien. Nous incombe de construire. Merci beaucoup, ne doivent pas faire l'économie Abel de leurs efforts. Pour cette sensibilisation dont nous allons certainement poursuivre sur ce plateau, il faut que le gouvernement fasse quelque chose, que l'État du Cameroun essaye de mettre un terme à ces situations où on arrache des terrains aux gens. Et on en fait n'importe quoi. Le quatrième invité sur ce plateau, lui aussi avec nous ce matin, c'est d'ailleurs l'un des plus heureux sur ce plateau. J'imagine qu'il est encore en train de déguster les dernières gouttes de champagne de son parti qui vient d'ailleurs d'arracher haut la main à la sénatoriale. Valentin Dior. Valentin Dior est homme politique. Il est d'ailleurs président de sous-section à la base dans son Yabassi natal, conseiller municipal. Et nous fait le plaisir d'être là ce matin. Monsieur le Président, je voudrais dire, sauf si vous souhaitez que je vous appelle ainsi, de peur que le Président Biya se fâche, mais on va quand même nous dire. Valentin Dior, bonjour et merci de me rejoindre ce matin. Bonjour Raoul, bonjour aux campagnistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Oui, déjà je vous dis merci de m'avoir invité. J'avoue que j'ai beaucoup de grands frères. Hein. Oh, c'est toujours un plaisir. J'ai beaucoup de grands frères, ils me rendent visite et ça me fait beaucoup de plaisir de les avoir. Voilà. Alors, vous avez déjà dégusté la dernière bouteille de champagne qui était quelque part là par rapport à cette victoire ou la main au sénatorial. C'est quand même 94 sénateurs sur 100. C'est un chiffre mirobolant, on va le dire ainsi. Ce n'était pas connu comme ça il y a quelques années. Ça veut dire que le parti au pouvoir travaille d'arrache-pied pour peut-être rentrer à la phase du parti unique. Vous avez dit, vous avez donné un chiffre, hein, le chiffre des sénateurs. Je pense que cela revient à ceux qui ont élu, c'est-à-dire les Camerounais. C'est une élection et quand on va à une élection, c'est soit la perte, soit la gagner. Et je pense que pour une élection, il y a un projet. Parce qu'il y a une offre politique à présenter aux électeurs. Et l'offre politique qui est passée, l'offre la plus alléchante, a été, on peut le dire avec certitude aujourd'hui, a été celle, l'offre du RDPC. Donc oui, on a célébré avec beaucoup de plaisir. L'un de vos anniversaires, je crois. Oui. Le 24 mars dernier. Le 24 mars, les 38 ans du RDPC. Donc, pour dire que, oui, les résistances sont derrière nous. Parce que le RDPC est un parti organisé. Et pendant notre anniversaire, on a pensé aux résistances, mais on a pensé à plus important, à l'avenir. Et c'est pour cela que lors de cette célébration, on a mis l'accent à la réflexion. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les échéances sont là. Et cela va m'amener comme ça à revenir un peu sur votre thématique. Allez-y. Quand vous dites Cameroun, élection à venir, le RDPC peut-il avoir du répondant, Autrement dit, vous voulez dire RDPC a-t-il les moyens de faire face à l'opposition? Je pense que vous vous trompez, ou du moins, je vous invite à reformuler votre thématique. C'est vous qui le faites. Parce que c'est le RDPC qui est au pouvoir, c'est plutôt à la suite du grand frère Elim Bielobé, c'est plutôt le RDPC, c'est plutôt l'opposition qui devrait chercher à voir. Qui devrait chercher à avoir. C'est pour cela que je demande si le RDPC aura du répondant. Peut-il avoir du répondant? Ça veut dire qu'est-ce qu'en face peut-il avoir... il y aura quelque chose de sérieux. Bon, laissons tomber cela, Valentin Dior. Donc, je continue avec vous sur la sénatoriale. Oui. On sait quand même que les sénateurs, les tout nouveaux, ont quand même déjà pris fonction, si on peut le dire ainsi, les attributs là, selon les
d'ici quelques heures maintenant. Alors, quelques visages qui vous inspirent quand même confiance et qui donnent l'impression que la troisième législature pourra être encore davantage plus galvanisée que les deux dernières. Vous savez, le Sénat est une institution. Je ne veux pas m'appesantir sur des individus, parce que c'est un travail de groupe, de masse. C'est au sorti d'une séance ou d'une session, on parle plutôt du Sénat et non des éléments qui sont passés à l'œuvre. Donc je vais dire, moi je mets de l'espoir, beaucoup d'espoir à cette troisième cuvée, je crois que c'est ça, qui est au-delà de l'expérimentation quand même. Qui est aujourd'hui, oui, qui est le Sénat dans son ensemble et au-delà de l'expérimentation. Je pense que ils ont le Sénat suffisamment d'étoffe pour affronter les contestes à venir. Et le conteste le plus marquant qui fait l'actualité, c'est celui de la décentralisation. Et je pense que les sénateurs doivent mettre en relief leur expertise, leur expérience, pour que les collectivités territoriales décentralisées, au-delà des autres missions du Sénat, légiférer, contrôler l'action et peut-être assumer la vacance, ça c'est la Constitution qui le dit, doivent mettre l'accent sur les questions de décentralisation, doivent être des acteurs au premier rang, c'est-à-dire les commandants en chef des collectivités territoriales décentralisées, pour que la mayonnaise qui a pris, puisse aller grandissant, pour que le commun des Camerounais, que les citoyens, dans leur ensemble, ressentent les effets de cette décentralisation qui, elle-même, est une manne qui nous tombe du ciel. C'est-à-dire, le président de la République a remis aux Camerounais leur destin sur le plan du développement. Dire, voilà, vous avez votre destin à main. Saisissez-le. Saisissez-le et en fait, bon, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Valentin Diop, conseiller municipal au sein de la commune de Yabatillon, politique d'ailleurs de premier rang aussi. Nous a rejoint sur ce plateau. Alors, nous allons entrer à la thématique qui nous intéresse ce matin. Docteur Jean-René Ndouma, je considère que vous êtes le seul neutre sur ce plateau. Si les autres font de la politique à outrance, vous n'en faites pas. Vous êtes tout au moins un observateur de la scène politique. J'ouvre avec vous. Regardons un peu quelques scores pour ouvrir avec cette question. C'est 44 communes d'opposition, 44 sur 360 que l'opposition détient. C'est 18 députés à l'Assemblée nationale sur les 180. C'est 6 sénateurs sur les 100. C'est pratiquement zéro conseil régional. Et on peut continuer à les citer ainsi. Quand vous regardez des chiffres de ce genre, est-ce que vous vous dites que l'opposition camerounaise est dans un problème? Alors, l'opposition camerounaise, je ne sais pas si de par ses actions, elle existe. Parce que, permettez, parce que je ne suis pas trop pour ceux qui parlent de l'opposition sans une nuance, mais nous sommes dans un cadre où c'est le langage que les gens utilisent. Quand on dit l'opposition, il y a le parti au pouvoir d'un côté et puis tout le reste de l'autre côté. Je ne suis pas de cet avis-là, mais je vais me faire comprendre. Il y a eu des phases dans l'histoire, dans l'évolution politique de ce pays, où une certaine opposition a eu la possibilité de faire changer véritablement la donne de la gouvernance, de faire en sorte que le peuple camerounais ait davantage de l'espoir, ne serait-ce que l'espoir qu'il y a eu un changement, que ce soit un changement d'homme ou un changement de parti politique, parce que psychologiquement, quand on aspire au changement, ça commence par là.
Mais j'ai l'impression, et ça c'est une impression personnelle qui est liée à un certain nombre d'occasions qui ont été données à cette opposition-là, de pouvoir faire valoir, n'est-ce pas, son impact. Et ça n'a pas pu se faire. C'est-à-dire que, comme je ne suis pas un politicien, je ne vais pas citer des grands hommes politiques qui sont dans certains partis de l'opposition et qui aujourd'hui, pour la plupart, sont dans le gouvernement, entre guillemets, du RDPC, et qui ont en réalité tué leur vision, qui, à mon avis, doit être celle d'aspirer à la très haute magistrature d'un pays, que de se contenter d'un poste politique, d'un poste ministériel, d'un poste dans une région, etc., en tant que leader politique. Ceux-là ont même fait mieux, parce que la grande majorité, aujourd'hui nous avons, et je suis avec des spécialistes de la question, au Cameroun je pense que nous avons 320 partis politiques, il y a à peine 7 qui reviennent régulièrement, n'est-ce pas ? Au sein des instances. Et nous avons donc 313 partis politiques qui, en réalité, donnent l'impression de n'exister que sur le papier, parce qu'ils ont été autorisés. Ceux qui prennent l'initiative de créer ces différents partis politiques, quel est leur objectif ? Quelle est leur vision ? Est-ce qu'ils ont une ambition politique qui permettrait que un jour on puisse être fier de les voter pour qu'ils prennent en main la destinée de notre pays, par exemple. C'est autant de questions qui, pour le moment, n'ont pas de réponse pour moi, mais qui montrent qu'il y a un vide qui aurait pu être occupé par ce qu'on peut appeler l'opposition. Maintenant, très récemment encore, même si on peut revenir même sur ces élections qui ont eu lieu, il m'est revenu que dans des régions, il y a eu au moins 2 régions où 2 partis dits d'opposition auraient pu avoir des élus. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, c'est plutôt le RDPC encore qui a été, donc, selon les urnes, selon les résultats, qui a été élu par les élus des partis dits d'opposition. Et permettez-moi de dire dits d'opposition. Et donc, il y a là aussi un problème d'homme, un problème d'individu. Est-ce qu'on s'engage dans la politique, on crée son parti politique pour se démarquer au point où le parti au pouvoir va dire, bon, celui-là, il est intéressant, mais il peut être plus intéressant si on le récupère. Et c'est ce qui se fait. On voit des leaders qui deviennent subitement militants du parti au pouvoir, alors qu'ils paraissaient être comme des opposants, n'est-ce pas, il y a quelque temps. Donc, pour moi, ça perturbe. Et ça donne donc l'impression que certains de ces hommes politiques font la politique pour le ventre, pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, pour se faire valoir. Peut-être que certains seraient utilisés par le parti au pouvoir pour donner l'impression qu'il y a évidemment une opposition. C'est déplorable de vivre dans un environnement comme celui-là, et les résultats des récentes élections, si on se limite strictement sur le cadre purement démocratique, on se demande s'il y aura match. S'il y aura match. Parce que, je vais sortir par là, 2 préoccupations majeures. La première, quelle est la vision des hommes politiques qui créent leur parti, dit parti d'opposition? Est-ce que c'est par conviction idéologique? Est-ce que c'est un engagement qui peut aller même jusqu'au sacrifice suprême? Parce que quand on est non politique et qu'on aspire au pouvoir, on aspire à être un chef d'État, ce n'est pas un Dorton Douma. Ce n'est pas. Il m'arrive de voir un peu les profils des chefs d'État de certains pays dans ce monde. Monsieur, ce sont des êtres qui. Il restait des êtres humains, mais quelque part, ce sont des êtres surhumains.
Parce qu'on ne devient pas chef d'État par improvisation. On le construit. Ça se construit. C'est une trajectoire visible. Donc, ça permet de s'interroger aussi sur même les partis qui se distingueraient politiquement parlant sur le parcours de leur leader. Ce parcours ne se limite pas au parcours académique. Il ne se limite même pas seulement au parcours politique. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui font en sorte qu'on puisse se dire « Waouh, ça c'est un monsieur que nous pouvons copter. Que nous pouvons copter parce que nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener le bateau Cameroun, si je peux dire ça. » Merci beaucoup. Donc c'est en cela qu'il y a tellement de questions qui restent sans réponse, à mon avis, et qui laissent penser que l'opposition en question a déjà renoncé même avant que le combat ait commencé. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ndoma. Présent Bandakani. Alors, docteur Ndoma se refuse peut-être de penser qu'on peut parler d'une quelconque opposition ou alors d'un problème réel de cette opposition. Mais je voudrais, vous qui êtes un politique d'ailleurs des premières heures dans ce pays, au regard de cette trajectoire et ces résultats qui nous sont présentés par cette opposition, président Bandakani, c'est un problème de système ou bien le problème revient à cette opposition elle-même? Non, il est systémique. C'est un problème fondamentalement systémique. Et il y a la responsabilité des divers partis d'opposition, c'est évident. Mais le problème fondamentalement est systémique et structurel. On ne comprend pas le développement de la politique camerounaise si on ne convoque pas l'histoire de la construction du champ politique camerounais, l'histoire de l'érection du système qui tient ce pays. Bien évidemment qu'il faut distinguer le système, le régime, l'État, entre autres, même si les trois marchent ensemble et s'entremêlent dans leur évolution, mais une analyse qui ferait l'économie d'un travail profond sur la nature systémique de l'État du Cameroun, à mon avis, serait simpliste quant à la compréhension de l'évolution de l'opposition au Cameroun. Historiquement, Douma l'a dit fondamentalement, la CESU qui travaille le champ politique camerounais oppose historiquement la grande famille de l'UNC, qu'on pourrait caricaturer en appelant la grande famille ojoulatiste, et d'un côté, la grande famille UP6. C'est schématique, mais c'est la trajectoire. Ça, c'est le fondamental, c'est la matrice fondamentale du paysage politique camerounais. Après, il y a des évolutions liées au changement de régime, à Idjo qui passe à Biya, et au sein de la grande famille UNC, il y a un éclatement. Mais c'est un éclatement familial. C'est un éclatement familial dans le sens où ils ne s'entendent pas sur la gestion des privilèges, la gestion de la continuité au niveau de l'État, mais au niveau systémique, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Maintenant, si vous prenez donc à partir de là, quand on arrive aux années 90, quelle est la structure de l'opposition camerounaise en 90? C'est que l'opposition camerounaise est constituée de deux ou trois grandes factions. Il y a d'un côté les déçus ou bien les lésés du grand partage qui s'est opéré dans la grande famille UNC lors de la session du président Biya au pouvoir et du choc lié au coup d'État. Ces déçus-là vont se reconvertir dans l'opposition. Ils vont la dominer. Pour rappeler ça, ils vont la dominer. L'UNDP, MDP, ANDP, UDC, tous ces partis, même dans une certaine mesure, le SDF. Le SDF et sa particularité anglophoniste, mais c'est pas le fait que, historiquement, c'est la grande famille UNC. Et d'un côté, parlons comme ça, les factions UPCistes. Est-ce qu'il y a une surprise aujourd'hui de voir que cette tendance dominante de l'opposition s'illustre par un comportement politique qui ne peut pas surprendre ceux qui ont pris le temps d'étudier la scène politique camerounaise. Moi, je me rappelle dans les années 90-92, lorsque le président Bello Bouba revient au Cameroun de son exil du Nigeria, je crois qu'on est dans une réunion à l'hôtel Akkad, et qu'on était vivante, témoigné, M. Bello Bouba nous dit: moi, je n'ai pas une culture d'opposition. Moi, si je suis opposant,
c'est pour retrouver les privilèges de l'État. De manière froide, il le dit. De manière froide, il le dit. Mais M. Bello a un électorat. Il a un électorat. Hein. Vous n'allez pas, sans cet électorat-là, le suit dans cette dynamique-là. Ce n'est pas le seul cas. On peut prendre le cas de l'UDC. Et ce n'est pas le seul cas. Donc vous voyez très bien que ces gens-là ont des désaccords sérieux avec le régime, mais il y a un pas qu'ils ne franchiront pas. Ils ne remettront pas en cause l'essentiel, c'est-à-dire la conception générale qu'ils ont du Cameroun. C'est pour ça qu'ils peuvent s'entendre de temps en temps. Ils se combattent. Bello Bouba va signer des accords avec le RDPC. Je suis désolé de le dire, sauf à avoir une lecture simple de la politique, Bello Bouba estime qu'il est un parti d'opposition. Il estime qu'il est opposé au RDPC. C'est une opposition qui est réelle dans une certaine mesure. Mais il s'entend, il est au gouvernement. M. Tchiroma estime qu'il est un parti d'opposition. Quand vous parlez avec sa base, allez, on va vous parler avec la base, vous étudiez la base, vous allez voir que dans la tête de ces gens-là, ils considèrent qu'ils s'opposent, ils ne sont pas d'accord avec le régime Biya parce qu'ils sont nostalgiques pour la plupart d'Aïdjo. Mais ils considèrent que l'essentiel pour eux, c'est encore que ce régime-là reste et qu'il ne soit pas remplacé par un régime, par exemple, qui serait d'obédience au IPCiste, parce qu'il y a des contentieux historiques sérieux. Vous n'oubliez pas le rôle des parrains extérieurs du régime, qui, en dernière instance, ont une influence extraordinaire sur la trajectoire des uns et des autres au regard de l'histoire du Cameroun. Donc, moi, je ne suis pas surpris par une certaine évolution de la position au Cameroun. Je ne suis pas surpris. À la différence que, je crois que quand on parle de l'opposition aussi, il y a ce que j'appelle la dimension, la façade partisane. Je l'ai déjà dit ici, il y a eu un débat la dernière fois où on était ici. Il y a la façade partisane de l'opposition. Il y a la façade sociologique de l'opposition. Moi, je pense que les conditions sociologiques de la renaissance de l'opposition au Cameroun, d'une véritable opposition ou bien d'une alliance d'opposition au Cameroun, existent encore. Existent. Et que ces conditions sociologiques peuvent tôt ou tard nourrit un mouvement dans le pays, un vaste mouvement dans le pays qui proviendrait d'une cassure au sein du régime. On ne peut pas nier ça. Et en ce sens aussi, les conditions objectives de cette cassure-là existent, même si les conditions subjectives ne dépendent pas de nous. Mais quand on analyse profondément, c'est possible. Donc, en même temps, je partage le diagnostic qu'on fait sur l'opposition, puisqu'on globalise tout, Douma l'a dit. En même temps, je ne franchis pas une certaine ligne. Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Donc, je pense qu'on est dans une situation complexe. Ça arrive dans la vie politique d'une nation où les repères se brouillent, où on a l'impression que les perspectives d'un changement n'existent pas. Ça arrive. Mais aussi, cette situation-là, il y a des exemples qui montrent que ça cache aussi des rebondissements imprévisibles. Ça dépend de l'accélération que l'histoire peut donner à un pays. Ça dépend d'un impondérable, d'un imprévu qui peut arriver, qu'on n'avait pas prévu. Bref, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc moi, je ne suis pas pessimiste que le RDPC se réjouit de son avantage. C'est dans l'ordre des choses qu'ils se gargarisent en croyant qu'ils sont le plus grand parti de l'univers. C'est dans l'ordre des choses qu'ils justifient tout par la feignantise de l'opposition. C'est dans l'ordre des choses. Mais moi, je ne danse pas cette danse-là. Je pense que tout est possible au Cameroun si les conditions, n'est-ce pas, sont réunies et qu'il y a un sursaut au niveau subjectif, n'est-ce pas, pour prendre conscience des choses, de ces évolutions-là. Très bien, président Matakane, on y reviendra forcément. Abel Elie Bilobé, l'histoire de l'opposition, selon le président Matakane, est tellement liée à sa trajectoire, à la trajectoire d'un parti, fut-il parti unique, et qui aujourd'hui, comme il a expliqué lui-même, avec ses éclatements, ses mécontentements et bien d'autres, a fusionné un bon nombre de partis politiques. Mais je rappelle quand même qu'avant la création de l'UCI en 1958, l'UPC lui existait déjà depuis 1948. C'est pour en parler. Avant l'UCI qui arrive en 1958, il y avait déjà l'UPC qui existait depuis 1948, mais qui a été légalisé en 1991. Alors, Abel Elie Bilobé, pris donc sur ce temple, est-ce que vous y voyez, comme le président Badakani, une opposition qui ne suit que le cours normal des choses et qui n'a malheureusement pas la force de refaire ces choses?
Donc, il ne faut pas mélanger tout, suivre le cours normal et ne pas avoir la force et tout ça. Ce n'est pas des choses à mélanger. Je crois que ce que Bandakani, le tableau qu'il présente est édifiant pour la connaissance de l'histoire. C'est important. Parce que ce n'est pas pour rien que l'histoire du monde existe. Les générations à venir auront toujours besoin de savoir comment les choses se sont faites avant elles. Donc cet effort est très important. Il s'agit d'un travail éminemment intellectuel. Expliquer d'où viennent les différents partis qui existent aujourd'hui, leur rapport ontologique avec l'ancien parti unique, ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est à ça que j'invite les opposants d'aujourd'hui, c'est l'analyse des causes des échecs. Les échecs que nous enregistrons ne sont pas dus au fait que Diouf Houldi était un ancien du RDPC. Ce n'est pas ça. Si vous allez au Congo démocratique, Tshisekedi, le fils, il est le fils de Tshisekedi, le père, qui était un dissident du MPR, de Mobutu. Abdoulaye Wade sort du Parti socialiste sénégalais de Senghor, le président Senghor. Ça ne l'a pas empêché d'arriver. Mais Macky Sall, qui est aujourd'hui président de la République, devenu opposant, a été opposant d'Abdoulaye Wade. Mais Macky Sall sort du PDS de Meux. Donc on peut. La vie politique est faite de ce type de mouvement. On peut être d'accord aujourd'hui, et demain on n'est plus d'accord, on devient un opposé à l'autre, et on renverse l'autre, pourvu que tout ça se passe démocratiquement. Et ça ne justifie donc pas les faiblesses, les échecs. Les échecs, et quand vous dites le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que le RDPC a du répondant? Je n'ai pas compris ça comme Joe a compris. Joe, lui, il a compris que est-ce que le RDPC est capable? Non. Bon, s'il n'a donc pas compris ça comme ça, il a compris ça que est-ce que l'opposition est importante en face du RDPC? Et la réponse, elle peut choquer certaines personnes. Les capacités de l'opposition ont évolué. Dans les années 90, on a eu une opposition efficace. Elle était efficace. Ce sont les résultats qui le montrent. Elle a même failli le pouvoir. Elle a failli prendre le pouvoir. On est allé aux élections législatives, les toutes premières qui ont été organisées au Cameroun, lorsque le multipartisme est revenu. Et le parti au pouvoir n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Il avait individuellement le plus grand nombre de députés, 88. Il lui fallait encore 4. Mais il n'a pas eu la majorité. L'ensemble des députés qui n'étaient pas du RDPC étaient de 92. Donc l'opposition ainsi constituée à ce moment-là montre très bien qu'elle est forte. Elle a un ancrage dans le pays. Puis l'analyse historique des résultats, c'est-à-dire quand on analyse les résultats année par année électorale, cette force se met à diminuer. L'UNDP qui avait 68 députés en 93, aujourd'hui est à 7. Lorsque le SDF entre dans le jeu électoral au niveau des élections législatives et municipales, c'est en 96. Deuxième élection législative et municipale, c'est en 96. Et l'UNDP est en recul. Ce recul ne s'est pas arrêté. Il a continué jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont plus de députés à l'Assemblée nationale. Si, ils ont. L'UNDP? Oui, ils ont 7 députés. À l'Assemblée nationale? Bien sûr.
C'est d'ailleurs le parti de l'opposition, le parti non gouvernemental qui a le plus grand nombre de députés. Bon. Le SDF entre donc en jeu en 82, 16, aux deuxièmes élections législatives, et gagne 48 sièges. C'est le parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés. Mais en même temps, on constate que l'ensemble des députés de l'opposition commence à baisser. Il passe de 92 à moins de 92. Tous les députés de l'opposition réunis ne font plus de 80, ne sont plus à plus de 90. Ça montre qu'il y a un problème existe qui est en train de tarauder la force de l'opposition. Le phénomène continue jusqu'à aujourd'hui. Aucun parti de l'opposition n'a augmenté ses gains politiques. Tous ceux qui étaient en 92, la courbe de leur évolution est une courbe descendante. Tous perdent de la force. Ils perdent pas simplement de la force du point de vue des résultats obtenus. Ils perdent de la force sur deux éléments essentiels. Premièrement, la faiblesse de la couverture de l'espace électoral. J'entends par espace électoral les circonscriptions. Tout à fait. Aux élections. Que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections municipales. Je parle de ces deux élections-là. Je ne parle pas de l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que ces deux élections, ce sont des élections locales. Elles se jouent dans plusieurs parties du pays. Vous n'êtes pas candidat à Douala et en même temps à Yaoundé. Alors qu'à l'élection présidentielle, tout le Cameroun est une seule circonscription. Donc les élections législatives et municipales rendent compte de l'implantation des organisations politiques. Et quand on analyse donc la présence des partis politiques de l'opposition, tous, sans exception, y compris ceux qui ont des relations historiques que Bandakani explique avec le régime RDPC. C'est-à-dire, ils constituent aujourd'hui ce qu'eux-mêmes ils appellent une majorité présidentielle, etc. Qui ne fait pas des alliés. Ils sont alliés à l'élection présidentielle, c'est le cas de l'UNDP, qui ne présente pas de candidature à l'élection présidentielle, mais qui, aux élections législatives et municipales, devient opposé au RDPC parce que il veut contrôler le pouvoir aux échelles locales. Tous ces partis, l'analyse montre que leur présence dans l'espace électoral au moment des élections, la couverture est en baisse. Par exemple, aux dernières élections, en 2013, l'avant-dernière élection municipale, l'UNDP était présent dans 116 communes. Candidats, ils ont mis des candidats dans 116 communes. Oui. Mais en 2020, ils n'ont mis des candidats dans moins de 50 communes. Donc, ils baissent. Le SDF était présent en 2013 dans 103 communes. Je ne dis pas qu'il avait gagné 103 communes. Il était présent Je dis qu'ils étaient candidats, ils avaient une liste dans 103 communes. En 2020, ils avaient des listes dans 15 communes, une quinzaine de communes. Ça veut donc dire que la présence sur le terrain, le déploiement territorial des formations politiques de l'opposition baisse. Baisse. Alors, qu'est-ce qui justifie ça, effectivement? C'est ça qu'on veut comprendre. Oui, ce qui justifie ça,
Ce qui justifie ça, les raisons peuvent être multiples, mais elles sont d'ailleurs très nombreuses. Hein. Mais faisons d'abord en sorte que, comme le combat c'est par rapport au RDPC, moi mon souci aujourd'hui est d'amener l'ensemble des forces alternatives, qu'elles soient issues du RDPC ou pas, l'ensemble de ces forces-là, premièrement, à faire le constat sincère, honnête, qui traduit l'humilité intellectuelle des uns et des autres, que nous avons des faiblesses structurelles. Or, au lieu de le faire, on masque, on a un narratif, un discours de culpabilisation infondée du RDPC et des institutions. Et hier, tout le discours, personne ne dit « je suis faible ». Personne, quand on va aux élections, personne ne nous dit que comme je suis en train d'aller aux élections là, je suis seulement présent dans 3 circonscriptions. Mais chacun va expliquer son échec. Très bien. Vous chutez, vous chutez. Oui, chacun va expliquer son échec en disant que c'est le code électoral qui fait que j'échoue. Et mon effort depuis 2017, c'est que, premièrement, ce discours est faux. Ce n'est pas le code électoral qui nous fait échouer. Il est mauvais. Je ne dis pas qu'il est bon. Mais ce n'est pas lui qui fait que, il y a, en 2013, sur 85 circonscriptions aux élections législatives, il y avait 14 où il n'y a aucun parti contre le RDPC. Le RDPC était seul présent dans 14 circonscriptions. Les 14 circonscriptions là représentent 29 sièges à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que avant même qu'on entre en campagne électorale, le RDPC, parce qu'il est seul, et ça, ce n'est pas le code électoral qui est responsable. Et ce nombre que je viens de vous présenter a augmenté. Rendu à 2020, il est passé à 17. Il y a eu dernièrement, là, en 2020, là, 17 circonscriptions où il n'y avait aucun parti de l'opposition. Autre que le RDPC. Ces 17 circonscriptions-là représentaient 32 sièges. Donc, avant qu'on aille déposer, faire les campagnes électorales, quand nous avons déposé les listes, on a analysé, il s'est avéré que le RDPC est seul présent dans 17 circonscriptions et va gagner 32 sièges au départ. Très bien. Donc, ces faiblesses-là doivent nous amener à organiser une stratégie qui intègre les faiblesses. C'est-à-dire que nous, on fait des stratégies électorales comme si nous avons la capacité d'affronter individuellement le RDPC de façon efficace. Parce que pour affronter le RDPC de façon efficace, il faut être présent en face de lui dans un nombre de circonscriptions qui est tel que si vous gagnez, vous gagnez la majorité des sièges à l'Assemblée. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut être présent dans au moins, comme il y a 85 circonscriptions, il faut être présent au moins dans 40 circonscriptions en montant. Très bien. Or, aucun parti de l'opposition n'arrive plus à être capable de faire face à l'indépendance. Donc, il nous faut, je termine s'il te plaît, il nous faut donc, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des échecs dans la perspective de 2025. Tout à fait. Quelles que soient les origines de chacun d'entre nous, le MRC nous apprend maintenant qu'il sera aux élections. Très bien. Je suis fier d'eux. D'être. Je suis content. Très bien. Et je leur dis simplement, en venant aux élections, n'oubliez pas de dire que vous avez fait une erreur de ne pas être aux autres élections pour la question du code électoral. Parce que maintenant que vous allez venir en 2025, on n'aura pas changé le code électoral. Et pourtant, bon, s'ils ne le disent pas, c'est le premier os qu'on a dans la chaussure. Écoutons Valentin Dior maintenant.
Valentin Dior, homme politique, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est vrai que nous ne faisons pas l'apologie des partis politiques sur ce plateau. Nous parlons d'un problème réel, un problème d'un jeu politique, en fait, d'une cartographie politique qui inquiète déjà quand même. On part quand même d'un système tel qu'on a cru qu'on avait en face une opposition qui levait quand même la tête et qui pouvait y avoir du répondant en face. Mais là, on se retrouve face à un pouvoir qui pratiquement marche tout seul sur l'espace camerounais. Et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas les autres? Et cette situation pareille, comment vous la prenez? Est-ce que là, la démocratie n'a pas pris un coup? Non, la démocratie n'a pas pris un coup. Parce qu'une élection, c'est une élection. C'est-à-dire, on l'a déjà dit ici, chacun présente son offre politique et les citoyens, la souveraineté nationale décide. Alors maintenant, quant à voir quelles sont les raisons qui amène le RDPC à remporter, là, c'est une chose. Mais je pense que sur le plateau, ce matin, nous sommes à la limite, c'est un colloque qui pense les moyens pour l'opposition à renverser la vapeur au regard de la reformulation de la thématique. À l'entame de mon propos. Au regard de votre entendement de la thématique, parce que c'est comme une position qui vient. Je pense que. Je vous relance, Valentin Dior. Permettez-moi de vous relancer, s'il vous plaît. La thématique, c'est moi qui la formule. Donc, s'il y a un problème de thématique, revenez vers moi. Je suis en train de revenir. S'il y a un problème de thématique, revenez vers moi, je vous dirai comment j'ai pensé cette thématique. Alors. Je crois que c'est Libby Lobé qui a très bien compris. Il a très bien compris cette thématique telle qu'elle a été formulée. Mais si vous l'avez compris telle que vous l'avez Tel que Libby Lobé l'a compris, c'est comme ça que je l'ai. C'est pour cela que je l'ai reformulé à l'entente. Bon, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas. Vous sentez à l'aise. Ce n'est pas ça l'objet. Je reviens à la suite de mes copanélistes. Oui. Monsieur le grand foyer Libby Lobé, vous l'avez présenté comme un patriarche. Oui. Et je pense que vous avez du contenu dans votre concept de patriarche. Oui, ça veut dire certainement l'âge sur le terrain politique et tout. Ça veut donc dire que l'âge, c'est la sagesse. Et par conséquent, on ne peut pas traiter le président de la République, vu son âge, qu'il soit diminué. Je pense qu'il est un sage. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens à la démarche de Bandakani, qui a présenté un certain rappel historique. Moi, que je penserais comme une approche périphérique d'une raison ou d'un mécanisme pour gagner une élection. Parce que c'est vrai, peut-être qu'il faut en parler pour les historiens, ceux qui aiment les questions de culture générale. Mais quand on l'a fait, il ne faut pas le faire de façon unilinéaire. Il faut revenir aussi, il a parlé d'un certain ojulatisme, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je peux peut-être appréhender avec beaucoup plus de finesse, c'est l'upécisme. Moi, j'aurais souhaité qu'il s'appesantisse sur l'upécisme. Obélène, bon, je vais citer les noms par ordre chronologique. Dikakwa, Kodok, Obélène, je m'arrête là. Oui, mais c'est là où il faut revenir. Et je continue. La plateforme de l'opposition, ça, les années 90-92, pour montrer d'où les faiblesses, d'où proviennent les faiblesses de l'opposition. C'est une approche. Hein. D'où peuvent provenir les faiblesses de l'opposition, les faiblesses que nous connaissons aujourd'hui, qui peuvent amener le RDPC pas avoir un chemin sans obstacle. Non. Le RDPC, depuis le retour de la démocratie,
son président national avait déjà pensé les élections au sein du parti unique pour donner des arguments aux citoyens camerounais pour le chantier à venir, celui du multipartisme. Et le RDPC ne s'est jamais, n'a jamais dormi sur ses lauriers. Monsieur le grand frère Limbe Lobert a parlé du maillage territorial. Et il le démontre avec des chiffres que le RDPC, avant même qu'on aille à une élection, peut déjà avoir des estimations positives avant la proclamation des résultats. Pourquoi? Parce que justement, le RDPC fait un travail au quotidien. Nous faisons un travail au quotidien et c'est pour cela, pour mon cher, c'est pour cela que quand on va face à un collège électoral, certes, tributaire, comme l'a dit le grand frère Elimi Lobert, d'un passif. Mais c'est d'abord des citoyens qu'il faille convaincre. Et à la suite de cela, on a des résultats. Ces résultats ne sont pas brandis en termes de partis politiques. C'est réducteur même de l'opposition. C'est une insulte à l'endroit de l'opposition. Moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. On va à une élection, le collège électoral est composé, peut être composé des partis politiques parce qu'il y a la cible qui est connue, des électeurs, l'origine de la cible, mais c'est d'abord des personnes parce qu'il y a une campagne qu'il faut battre. Et si on a, ça, ce sont les déclarations de certains militants de l'opposition qui ont pensé que qu'il faille voter le RDPC. Ils ont été convaincus de l'offre qui est proposée. Et tout naturellement, ils votent. Mais, je vous dis, fort de ces bons résultats, le RDPC ne croise pas ses bras. Je l'ai dit à l'entame. On a célébré lors de notre célébration. On n'est pas venu faire seulement des réjouissances. Vous êtes venu davantage. Moi qui suis militant de base, je suis militant de base. J'ai l'obligation de consolider ma base. Et cette consolidation se fait par ma présence effective sur le terrain. Sous plusieurs formes. J'y suis comme citoyen, je suis comme militant de base qui organise les activités liées à mon parti politique. Mais je peux faire aussi des activités. C'est ce qui manquerait peut-être à l'opposition, selon ce qu'on entend, c'est ce qui manquerait peut-être à l'opposition. Alors aujourd'hui, on a une opposition qui écume les plateaux, passe beaucoup plus de temps sur les plateaux de télévision, et, enfin, sur les plateaux en général, au point où, je ne sais pas, la dernière fois où monsieur le grand frère Elimi Lobert a tenu un meeting politique. Ça, c'est le cas d'exemple. Mais je pense qu'il fait dans d'autres activités qui peuvent être des activités parallèles, mais comme homme politique, je ne sais pas. Mais je continue, j'ai dit, la présence est importante. C'est-à-dire que la présence active sur le terrain. La politique. C'est ce qui manquerait à l'opposition, je vous entends pas. Je pense que ça manque à l'opposition. Alors, vous les avez aidés un peu. Vous avez aidé voilà, cette opposition à comprendre. C'est la raison de ma présence ici, parce qu'en principe, je ne devrais pas être là. C'est un colloque pour l'opposition. Vous m'en trouvez les moyens non, vous me renverser. C'est vos meilleurs amis, hein, c'est supposant. Donc, et je ne vais pas leur donner des éléments pas. Pour me renverser. Peut-être avant d'aller chez vous, docteur, vous m'en permettez, docteur Madakani, qui demande avec insistance la parole. Président Madakani, allez-y, s'il vous plaît, en 5 petites minutes, parce que là, non, si vous voulez, nous allons prendre le votre temps. Je vous laisse vous donner la parole, après je parlerai. Allez-y, vous avez demandé, je vous donne la parole. Ok. Non, je voudrais... Quand on écoute M. du RDPC avec son arrogance simple et simpliste, ça fait rire. Arrogance?
Je lui rappellerai simplement une seule chose, c'est que si on avait dit aux gens de l'UNC qu'il se retrouverait dans l'opposition à un moment où il s'attendrait le moins, il n'aurait pas cru à l'époque. Et beaucoup ne s'en sont pas remis. Dans la vie politique, il réserve souvent des surprises qu'il faudrait être sage. C'est parce que vous êtes dominant que ça vous autorise à dire tout et n'importe quoi à ceux que vous dominez à un moment donné. Les gens de l'UNC ont été surpris par la démission de leur président. Et beaucoup se sont retrouvés dans l'opposition alors qu'ils n'étaient pas préparés à ça, ils ne l'imaginaient pas. Je ne dirais pas plus. Quand on donne les leçons de sagesse à M. Libé-Loeb de façon déguisée, il faut qu'on soit un monde fasse preuve de sagesse. Les choses politiques sont des choses sérieuses qu'il faut aborder avec un certain niveau de légèreté de mon point de vue. Quand je parle de l'UPC, je dis bien que je parle de l'UPCisme. Là encore, la politique n'autorise pas toutes sortes de mauvaises foi. Vous me convoquez au Belen, qu'on leur dit qu'à quoi? C'est des représentants d'un appareil partisan qu'on appelle l'UPC. Je parle de l'UPCisme, mais je vais vous dire ce que c'est l'UPCisme. Vous allez comprendre l'actualité de ma convocation de ce patrimoine dans un débat comme celui-ci. Et pourquoi c'est important pour votre propre édification politique. L'UPCisme, ce n'était pas l'UPC en tant qu'appareil. C'est un grand mouvement historique de ce pays qui a lutté pour l'indépendance. Monsieur Dior, vous pouvez écouter, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, président Badakani. C'est un manque de sagesse. Je vais pas aller même plus loin. Allez-y, président Badakani. Quelqu'un parle, vous riez. Tout à l'heure, vous avez parlé, je n'ai pas fait ça. Tout à l'heure, je n'ai pas fait ça quand vous êtes en train de parler. Je peux faire ça quand vous serez en train de parler. Ça ne va pas vous plaire. Ne sortez pas, contrôlez-vous. Ne sortez pas. Ça ne va pas vous plaire. Nous avons commencé avec la discipline. Il faudra qu'on achève avec la discipline, s'il vous plaît. Le président Badakani a la parole. Vous rappeler, tout à l'heure, quand vous parliez, personne ici n'a pris la parole. On peut le faire. Président Badakani, poursuivez votre propos. On peut commencer à vous railler pour vous déstabiliser. On peut le faire. On ne l'a pas fait parce qu'on vous respecte. Donc, ils sont en train d'opposer des arguments contraires à ce que vous avez développé. Je suis en train de vous dire que vous confondez l'appareil partisan qu'on appelle l'UPC et le vaste mouvement historique qu'on appelle l'UPCisme. Ça parce qu'il y a eu la séquence des cordes qui consortent tous ces gens-là. Je ne suis pas ici pour juger leur action politique. Je vous parle du vaste mouvement qui a conduit ce pays à l'indépendance et qui a posé des problèmes politiques qui ne sont pas résolus jusqu'à présent. Qui ne sont pas résolus jusqu'à présent. Je vous demande d'aller lire le livre de votre président, Libéralisme communautaire. Il a consacré quelques pages à ce sujet-là. Donc, ces problèmes ne sont pas résolus malgré la durée de votre régime au pouvoir. On peut convoquer depuis Aïe Diou jusqu'au président Biya. C'est quand même une certaine continuité. Ces problèmes ne sont pas résolus. Je parle de ça. Depuis 1950. C'est ça qui fait l'actualité de l'UPCisme. Je suis en train de faire une théorie intellectuelle, cher Abel. Je vais te faire une théorie intellectuelle. Ma théorie est fondamentalement politique. Et je vais vous démontrer pourquoi. Quand vous dites que ce n'est pas l'appartenance historique de l'opposition qui justifie cet échec, c'est vrai, en même temps, ce n'est pas vrai. En 92, ce qui a fait la force de l'opposition, ce n'était pas son unité. C'était l'adéquation entre cette unité et la mobilisation populaire. Or, pour mobiliser le peuple, il faut des stratégies et il faut une tactique qui se décline en action organisée avec constance sur le terrain. Et ça, vous allez bien voir que des gens qui ont une certaine appartenance politique n'aiment pas faire certaines choses sur le plan politique au Cameroun. Sauf si on ne parle pas de la même chose. Ces gens n'aiment pas faire certaines choses. En 92, c'est la mobilisation populaire basée sur les conditions sociologiques qui ont poussé les gens dans la rue qui a fait la force de l'opposition. On peut être unis et être faible si le peuple ne suit pas. Je vous dois rappeler ça. C'est pour ça que j'ai compris tout à l'heure l'histoire des appartenances politiques. Ce n'était pas pour fermer les gens dans le passé. Non. Je suis bien conscient de ça. Non. Je suis en train de vous décrire que si nous considérons que nous globalisons l'opposition, c'est votre ambition. Je voudrais vous rappeler de tenir compte que elle a beau être globale, mais il y a des spécificités dans cette opposition qui font que, à un moment donné, si vous ne tenez pas compte de ça, vous êtes comme on dit, sur le bord du chemin. Parce qu'il y a des gens au Cameroun, quand vous globalisez l'opposition au Cameroun, c'est schématique.
la pertinence de votre analyse, que je ne remets pas en cause, qui est mathématico-statistique, elle est pertinente, vise à soutenir une démarche stratégique que vous avez choisie, à savoir unir l'opposition dans son ensemble. Vous allez voir que, en tant que moyen, oui, mais à la fin, quand il faudra conquérir le pouvoir, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. En 1992, l'opposition a gagné. Si on dit l'opposition globale, elle a gagné. Si on prend le résultat de Frundi, de Belouba Magari et de Ndamdia, l'opposition a largement gagné. Non, pas Ndamdia, le MDR, de Ndamdia et Daïssa. Non, je suis à l'élection présidentielle 92. Je suis à la présidentielle 92, je sais de quoi je parle. L'opposition a largement, Belouba avait fait 17%, Ndamdia avait fait 3%, Frundi a fait près de 38, 39, 37%. Donc, calculez, vous allez voir, le LP était battu à la couture. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que, quand il s'agit de prendre le pouvoir, mes amis, vous vous rendez, vous êtes rattrapés par ce que j'appelle le géo-régionalisme dans ce pays. Quelque chose de terrible. Je ne veux même pas dire tribalisme. De terrible. Des critères qui sont quasiment extra-politiques, non, pas extra-politiques, qui sont extra-partisans vont entrer en scène pour vous dire que non. On préfère que, au regard de ceci. Ces réalités n'ont pas changé. Elles continuent à impacter toute dynamique véritablement unitaire de l'opposition au Cameroun. Il faut intégrer ça. Moi, quand je parle, je pense à tout ça. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Thomas qui a dit que moi, je n'aime pas globaliser l'opposition. Moi, je ne la globalise pas. Je ne fais jamais un schéma qui globalise l'opposition. Tout à l'heure, je vous ai dit ici que Bello Bouba est un opposant. Si on globalise l'opposition, on ne peut pas dire que Bello n'est pas un opposant. Puisque Bello estime qu'il n'a pas. Bello n'a même fusionné son parti avec le RDPC. Hein. Jamais. Et contrairement à ce que croit, l'UNDP, son parti a une assise dans ce pays. Ça se voit dans les différentes élections. Si vous prenez depuis 90 les élections, vous allez voir que l'UNDP a des. C'est un parti qui a une assise électorale dans ce pays. Ce n'est pas le seul cas. Quand vous allez au nom, les Tchiroma et Consoy, ils ont une assise. Et ce n'est pas le fait du hasard. Il y a une histoire du Grand Nord dans ce pays, sur le plan politique. En tant que constitution politique, c'est une histoire. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas pour dire que quand tu as élection, le président, bien, il fait un tour, non, il rentre chez lui s'asseoir. Il a cette connaissance du système politique camerounais et ses réalités. Je convoque simplement ça pour dire que c'est une question, de mon point de vue, qui est difficile. Le travail que fait Abel Libio a tout mon soutien. Et je dis, c'est pertinent. C'est pertinent, il faut ça. Mais toute la question de l'opposition politique au Cameroun ne peut pas se réduire à cette analyse mathématico-statistique qui est juste. D'autres critères doivent être intégrés, de mon point de vue, pour que ça soit complet. Ça soit complet. La deuxième chose que je vais chuter par là, c'est que quand on fait une telle analyse, il est évident que quand il développe comme ça, on comprend que ce n'est pas une analyse périphérique. Qu'il est en train de faire. L'enjeu, c'est la question de gagner les élections. On est au clair là, de gagner les élections. Pourquoi, à un moment donné, les opposants camerounais, entre guillemets, ont de la peine à se parler? Même quand ils se parlent, ils se méfient. Même quand ils se méfient, à un certain niveau, ils ne peuvent pas, quand il s'agit de la question de pouvoir au Cameroun, ça devient complexe. Pourquoi? C'est ça que je parle. Elle est éminemment électorale et il faut réfléchir là-dessus. Lorsque vous avez fait une brillante analyse comme celle de Limi Domain, et que maintenant, pour qu'elle se mette en marche, vous êtes obligé d'appeler au bon sens des autres. Il y a un problème à ce niveau-là. Vous voyez que vous-même, vous dépendez de leur bon sens. S'ils estiment qu'ils ne sont pas intéressés par toutes les raisons politiques, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qu'il dit relève du bon sens. Mais tout à l'heure, il est là, c'était un parti, le MSC. Tout à l'heure, j'étais en train de lui dire quand il parlait qu'ils ne reconnaîtront jamais qu'ils ont fait une erreur. Ils le savent. Ils ne reconnaîtront jamais. C'est une démarche politique. Ça peut nous énerver et tout. C'est une démarche politique. Le MSC va estimer que ce qu'ils proposent là n'est pas intéressant pour eux. Les grands partis vont dire que ce n'est pas intéressant pour eux parce que ce sont les fleuves et les marécages qui vont vers la mer. Et non la mer. Oui. Lui, à un moment donné, était confronté à cette réalité, la carte est au SIF. Alors ça pose un problème politique. Non, je veux simplement dire que. Non, ce n'est pas ça. Moi, je dis que nous traversons un moment peut-être difficile. Mais ça fait partie de la vie politique. On se décourage par le travail qu'il fait. Bon, qu'il continue à le faire. Moi, je dis simplement qu'il faut approfondir la réflexion en intégrant ces réalités qui plombent souvent à la dernière minute toute dynamique de changement dans notre pays. Très bien. Je ne vais pas revenir sur
les coups que le pouvoir donne à l'opposition. Tout à l'heure, quand on demande à M. Elbe Dobekeur de faire longtemps, il n'a pas fait un meeting. C'est sérieux, ça. On fait semblant de ne pas voir qu'il ne peut pas faire un meeting parce qu'on va l'interdire. Parce qu'on a besoin de rappeler ça. Est-ce que l'interdiction des meetings ne participe pas à une démarche du pouvoir objectif? Je ne peux pas analyser subjectif sur la question. Objectif qui permet au RDPS, par exemple, d'avoir le monopole de l'implantation. Est-ce que vous êtes sûr que si on laisse tous les partis politiques se développer librement en allant faire le meeting partout, y compris même dans le, entre guillemets, le fief électoral du régime, entre guillemets, vous êtes sûr qu'on aura, il n'y aura pas un changement dans l'occupation territoriale de l'espace? Ce sont les questions que je pose. Merci beaucoup, président Balakade. Alors, docteur Douma, je reviens à vous. Alors, le temps s'en va tellement vite que nous sommes surpris de constater qu'il ne nous reste que 30 minutes pour partir d'ici. On va faire avec ça. Docteur Douma, on fait quand même un constat. La situation sociopolitique peut aider quand même cette opposition à se remettre en branle. On sait que le Cameroun ne va pas aussi bien qu'on le souhaitait. Là, maintenant, est-ce que la différence devrait donc passer faire au niveau maintenant de la capacité donc d'aller convaincre et de déployer de façon claire son programme d'action qui peut être séduisant, tout en démontrant qu'on peut être sérieux, au moins une fois dans la vie, si cette opposition veut rester vivante? Gandhi disait que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, ce monde connaîtra la paix. Parce qu'en réalité, pour moi ici, la cause fondamentale est liée aux individus qui s'érigent en leader politique. Je vais insister là-dessus. Qui s'érigent? Il n'y a rien. Sans aucune trajectoire. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans que ça passe par un grand homme avec grand H. On ne crée pas un parti politique parce qu'il y a des formalités administratives à remplir, et parce que c'est facile. Je suis de ceux qui pensent qu'un pays comme le Cameroun, chacun ne doit pas se lever un matin, il va y créer son parti politique, et il vient pour pouvoir rêvasser et diriger un pays. Moi, je mets un accent particulier sur l'élection présidentielle. Le maillage territorial, c'est bien, c'est une bonne chose. Si les élites territoriales peuvent faire en sorte que les conditions des populations s'améliorent, c'est très bien. Jusque-là, on n'a pas l'impression que ça se fait. C'est le cas. Peut-être avec la décentralisation formelle, concrète, opérationnelle, on pourra voir, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Parce que c'est de cela qu'il est question. Donc le maillage, c'est bien. L'élection présidentielle, vous appelez ça quoi? Le corps électoral. Le corps électoral. Lorsqu'il est appelé. Combien de Camerounais? Il est souvent convoqué à quelques jours. Même dans toutes les élections. À peu près 7 millions maintenant. Selon les camps, c'est combien? Ils sont déjà un peu plus de 6 millions. On a encore parlé d'environ 103 000 qui ont été inscrits il y a deux jours. Vous connaissez bien les chiffres là, tout ça. À peu près 7 millions de Camerounais. Le dernier recensement est passé il y a peut-être... Il y a plusieurs années. 15 ans, on n'a pas le résultat jusqu'aujourd'hui. Bon, il y en a qui estiment que les Camerounais, on est 30 millions. 30 millions... Nous sommes dans les estimatifs. Oui. En tout cas, ce que je veux relever ici, c'est que par rapport aux populations du Cameroun et par rapport à l'âge à partir duquel on a le droit d'aller élire, n'est-ce pas, un président de la République, puisqu'il reste sur l'élection présidentielle, qui, à mon avis, n'obéit pas à un certain nombre de règles dites objectives. On a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que la légitimité d'un chef d'État au Cameroun aujourd'hui peut encore faire l'objet de débats objectifs par rapport au nombre de Camerounais qui votent le chef de l'État. Le dire, c'est simple, c'est une lapalissade, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, même si vous avez un maillage territorial important, il faut bien vous arranger pour que
vous puissiez être pratiquement sûr que vous allez gagner une élection présidentielle dans les urnes. Ça, c'est très important. On ne peut pas mélanger l'élection présidentielle avec les autres élections. Et moi, je parle surtout parce que pour qu'il y ait alternance au pouvoir, il faut qu'il y ait un autre chef de l'État qui vienne éventuellement d'un autre parti politique. Mais dans ce cas-ci, s'il y a alternance, il faut bien que ce soit un autre parti politique ou bien, pour aller dans le sens du doyen, Elim Bilobe, que ce soit un leader d'une... On appelle ça comment? Si les partis se mettent ensemble pour avoir d'une coalition, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un leader qui sorte d'une coalition de l'opposition et qui remplace le président du RDPC, qui est normalement le candidat naturel du RDPC. Donc, c'est là où je mets des réserves par rapport à cette approche, c'est que chaque fois on a vu que certains leaders politiques ont essayé de se mettre ensemble. Et ils attendent toujours quelques jours avant, quelques semaines avant. Là, nous sommes à 2 ans de l'élection, de la prochaine élection présidentielle, pratiquement 2 ans. Vous ne voyez pratiquement personne. Ils vont attendre 1 mois, 2 semaines, machin, et ils vont commencer à faire des choses pour piéger, pour se piéger les uns contre les autres, etc. Et évidemment, dans cette atmosphère-là, c'est toujours le RDPC qui tire du jeu. Parce que dès que l'opinion a l'impression que les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble, c'est-à-dire que l'égoïsme individuel l'emporte sur, n'est-ce pas, l'intérêt commun qu'on est censé représenter si un jour on devient chef de l'État. Mais quand on voit que ce n'est pas le cas, mais on vous lâche et... on peut, par défaut, aller même voter le candidat du RDPC à nouveau. Donc, il est important que ceux qui ont des partis politiques et qui aspirent à diriger ce pays, vraiment, se rendent compte de ce que ce soit l'argent ou même le pouvoir de l'argent, que tout ceci vienne après les intérêts qu'ils sont censés défendre. Parce que chaque fois, il y aura de la manipulation et c'est d'ailleurs tout à fait normal. C'est d'ailleurs tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'on divise pour mieux régner. Chaque fois que ces quelques leaders politiques vont chercher à se mettre ensemble, même s'ils n'en ont pas la ferme volonté, mais le parti au pouvoir, lui, va aussi déployer sa contre-stratégie pour essayer de les disperser. Pour les disperser, hein, au-delà du nombre de partis. Qui est déjà très élevé. Et c'est de bonne guerre. Ce qu'il faut faire, c'est que quand il y a une élection présidentielle dans un pays comme le nôtre, qu'on ait par exemple 4 ou 5 candidats, et que dans ces 4 candidats, que nous ayons au moins un qui puisse répondre véritablement face au candidat du parti au pouvoir. En ce moment-là, même si vous n'avez pas 100 communes, et puis je ne sais pas moi combien de députés, etc., les Camerounais qui doivent voter, vont voter indépendamment du parti auquel vous appartenez. Parce qu'ils auront compris à travers votre manière de fonctionner durant des décennies, votre programme et des circonstances dans lesquelles vous avez posé des actes qu'on peut apprécier ou pas. Ils vont dire, moi je vais voter tel que je sois de ce parti-là ou pas. Et c'est vers ça que nous devons tendre. Le 2025 sera une année extrêmement déterminante. Et c'est pour ça que certains dirigeants, certains leaders du RDPC, lorsqu'ils prennent la parole, donnent parfois l'impression d'être trop sûrs d'eux. Et ça, c'est une erreur parce que je ne pense pas que, même quand une équipe est trop forte, elle va dire qu'en face de moi, là, il n'y a personne. De toutes les façons, je vais marcher sur l'adversaire. Et quand on est dans cette posture-là, parfois, on a des surprises désagréables. Parce qu'il n'y a personne dans les urnes au moment où quelqu'un va choisir son candidat. Attends, Abel Edi Biboubi, à vrai dire, sur le plan structurel, l'opposition est trop dispersée. Ça, vous l'avez d'ailleurs remarqué tout à l'heure vous-même, elle n'a pas suffisamment de moyens et son offre politique est faiblement audible. Dans des conditions pareilles, comment entendez-vous renverser la vapeur?
Je l'ai déjà dit, c'est l'unité d'action qui nous sortira des difficultés. Il y a tous ceux qui... Tous ceux qui relativisent la pertinence de l'unité d'action, ils ne nous proposent que la dispersion. Il n'y a pas trois alternatives. Ou c'est la dispersion, chacun pour soi, ou c'est l'unité d'action. L'unité d'action ne veut pas dire tout le monde. L'unité d'action est un état d'esprit. Si deux ou trois ou quatre ou cinq ou six formations politiques se mettent ensemble, c'est déjà l'unité d'action. Et elle aura un impact positif pour les trois, les quatre, les cinq qui se sont mis ensemble. Il y en a sept qui se sont mis ensemble pour réclamer, par exemple, la réforme du code électoral. Et les autres n'ont pas suivi le mouvement. Mais la réforme du code électoral n'est pas un objectif électoral. C'est un grand objectif. Non, c'est un grand objectif politique. Mais pour réformer le code électoral, il faut gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut avoir une stratégie. C'est laquelle? C'est ça le débat. Donc si vous vous mettez ensemble pour demander à votre adversaire de réformer le code électoral, à ce moment, un autre problème entre en jeu, le rapport des forces. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et c'est à lui que vous demandez de faire quelque chose. Vous n'êtes pas en train de dire que vous, vous allez faire. Vous demandez à votre adversaire de faire. Donc, il faut avoir la capacité à le contraindre. Cette capacité n'a rien à voir avec l'implantation des partis. Elle a quelque chose à voir avec le fait de vous mettre ensemble pour créer un rapport de force qui va faire en sorte qu'il vous écoute, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais comme vous n'avez donc pas cette capacité, il ne vous écoute pas. Il passe à autre chose. Je veux revenir à l'essentiel. Une première chose pour passer rapidement. Mon dernier meeting, c'était pendant la campagne électorale. J'ai fait 15 jours de campagne. Vous avez répondu à Valentin Diop. Oui, 15 jours de campagne, 15 meetings. J'ai la capacité à organiser un meeting, financièrement, intellectuellement, tout. La seule chose qui manque pour l'organisation des meetings en dehors des périodes électorales, c'est votre autorisation. Je n'ai pas besoin de venir pleurer sur les plateaux de télévision pour quelque chose qu'on vous reproche depuis. C'est vous qui autorisez ou interdisez aux autres Camerounais de se faire des réunions publiques. Et donc, ton argument est démagogique. Tu sais très bien que c'est toi qui nous empêche de faire les meetings. C'est notre travail. Et tu viens demander en public combien de meetings j'ai déjà fait. Alors que c'est toi qui m'interdit de faire des meetings. Ça, c'est un. Deux, avec le développement des outils de communication, le meeting n'a plus une très grande portée stratégique. Comme je suis assis ici, je suis en train de parler à 3, 4, 5, 10 millions de personnes. Nous, le plateau. Le fait d'être en route pour parler aux gens, en route, les gens qui sont du coin, parce que c'est eux qui vont sortir des maisons pour venir. Quelques-uns qui m'aiment beaucoup partiront de Bonabéry d'ailleurs. Ça n'a pas plus d'efficacité en termes de faire passer un message qu'une émission de télévision. Ce n'est pas pour rien que tous les grands candidats à travers le monde mettent beaucoup de moyens, non pas dans l'organisation des meetings, mais dans la communication médiatique. Nous sommes à une nouvelle époque. Tu es leader de plateau. Et quand vous n'arrivez pas à nous empêcher de nous exprimer à travers les radios et les télévisions, nous pouvons donc nous exprimer, même si on ne fait pas de meeting. Moi, je ne suis pas un accro des meetings. Mais je suis un orateur. Très bien. Si je me mets dans un meeting, je vais parler 30 minutes, personne ne va se lever pour partir. Sauf que pour faire un meeting, je dois venir te demander l'autorisation. Toi, mon adversaire. Et qui ne sera jamais donné. Et tu ne vas jamais me la donner. Cabral Libi veut faire des meetings ici, vous refusez. Camto veut faire des marches ici, vous refusez. Pourquoi vous le laissez? Si vous étiez si convaincu que nous ne représentons en réalité rien, vous donneriez à Camto l'autorisation de faire ses marches pour aller enlever Paul Biya du pouvoir. Et à ce moment, vous aurez vu s'il peut mobiliser les gens ou pas. Mais vous ne le faites pas. Vous lui interdisez de faire les marches.
Vous lui interdisez de faire des réunions publiques. Vous lui interdisez, vous interdisez à Cabral Libi, vous interdisez à tout le monde. Bon, moi je suis de ceux qui disent que ce débat est derrière nous. Très bien. L'objectif, ce n'est pas de vous convaincre de nous autoriser. L'objectif, c'est de vous enlever. Avec meeting ou sans meeting. Et comment le faire? Qu'on vous enlève. La comment le faire? C'est la stratégie. Et moi, je suis dans la stratégie. La stratégie, c'est que, premièrement, dans toute stratégie, il faut connaître les forces de l'adversaire. Nous sommes dans la stratégie de combat. Nous ne sommes pas dans la stratégie de vente du lait. Parce que la stratégie de vente du lait, c'est autre chose. Et les forces d'adversaire, vous les avez déjà... Et même dans la stratégie de vente d'un produit, s'il y a un produit concurrent, vous devez savoir quelle est la force de votre concurrent. Les partis d'opposition ont un concurrent. Leur concurrent, c'est le RDPC. Et je dis aux partis d'opposition, du point de vue stratégique, refuser de reconnaître les forces du RDPC est une mauvaise posture. Elle vous empêche de bien vous organiser. Parce que vous ne connaissez pas les forces de l'adversaire. Ça, c'est la première chose que je leur dis. Et ce discours n'est pas simple. Parce que, en raison des égos, du mensonge que chacun des supposés leaders proclame publiquement sur ses forces personnelles. Si vous dites à Cabral Libi qu'il n'est pas fort, il ne veut pas entendre ça. Vous êtes donc obligé de lui dire que tu te prends pour fort, mais aux élections municipales, tu t'es présenté seulement dans 10 ou 15 circonscriptions. Le RDPC, lui, il était dans 360. Comment tu crois que tu peux le battre? Si aux élections locales, tu n'es présent que dans 30 circonscriptions, cela veut dire que tu es présent là où ton parti a de l'activité. Tu es absent dans les autres circonscriptions parce que là-bas, tu n'as pas les gens. Quels sont ceux qui vont porter ton message dans toutes ces circonscriptions-là à l'élection présidentielle? Regardez la stratégie de l'adversaire. Comme il a 300 unités politiques, 350, 360 arrondissements, il a 360 organisations de son parti dans les 360 communes. Il a donc des relais. Il a des gens qui parlent pour lui. Donc lui, il peut se lever, il fait un meeting. Il peut même ne pas faire de meeting du tout. Ne vous comportez pas comme lui. N'essayez même pas de criminaliser le fait qu'il ne fait pas de meeting. Ça n'a pas de sens. Il dit qu'il ne fait pas de meeting parce que lui, il a dans chaque arrondissement des gens pour parler pour lui. Quand toi, tu es candidat à l'élection présidentielle, quand toi, les Cabral Libi, tous ces gens qui étaient présidents, candidats à l'élection de 2018, chaque jour, il faisait combien de meetings sur l'ensemble du territoire? Chaque jour, le RDPC avait au moins un meeting dans un arrondissement. Et en même temps, donc chaque jour, 360 meetings, chaque jour. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas considérer que c'est une occupation stratégique du terrain. Qui manque à l'opposition? La campagne électorale est une opération de communication. Plus tu communiques, plus tu es présent dans les esprits. Quand toi tu veux, quand Cabral Libi dit que il a fait le tour du Cameroun. Il était à Edea, dans la Sanaga maritime. Il a fait le meeting à Edea, mais la Sanaga maritime, c'est 11 communes. Ndo, Nyanon, Pouma. Est-ce qu'il était là-bas? Non. Quand il dit que j'étais dans le Mungo, c'est qu'il a fait une petite réunion de 10 minutes à Bomono. Mais le Mungo, ou du Bombari, l'arrondissement de Bombari n'est pas à Bomono. Les gens sont à l'intérieur, à Bakoko, là-bas. Ils sont des gens qui ne sont pas venus. Mais là-bas, à Bakoko, là-bas, à Bakoko, les représentants du candidat Biya font campagne. Donc, ils encadrent les esprits. Le dire, ça fait mal à qui? Ça ne peut faire mal qu'à ceux qui publiquement ont pour démarche de cacher leur faiblesse. C'est bien. Maintenant,
Ce que je suis en train de faire depuis, et vous chutez c'est à partir des éléments statistiques que personne ne peut donc contester. Amener les uns et les autres à accepter, à se ranger derrière l'idée que c'est l'unité d'action qui va régler les problèmes que nous rencontrons et qui font que nous soyons battus, par exemple. Très bien. Si nous sommes dans une circonscription comme Douala 5, je prends une circonscription comme ça, qui avait 382 bureaux de vote. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce que je constate? Je constate que dans les 380 bureaux de vote là, le RDPC sort premier dans 328. Il sort premier. C'est-à-dire qu'il a 40 électeurs, vous avez 15, l'autre a 20, l'autre a 32, mais c'est lui qui a 42. Donc il est premier. Sauf que dans les mêmes 382 circonscriptions, 354 dans 354, l'ensemble des gens qui ont voté contre le RDPC est plus nombreux. C'est-à-dire les gens qui ont voté contre le RDPC sont plus nombreux que les gens qui ont voté pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ensemble des gens qui veulent que le RDPC quitte est plus nombreux que ceux qui veulent qu'il reste. Mais comme sauf que, comme tous ces gens qui veulent que le RDPC quitte sont appelés à choisir entre plusieurs candidats en remplacement du RDPC, eh bien, ils donnent qui la voix à Cabral Libi, qui agit soit aussi, qui à Bandakani, ainsi de suite. C'est ce que les données nous montrent, que le vote contestataire est plus important que le vote en soutien du RDPC. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le vote contestataire s'éparpille. Comment faire pour que le vote contestataire ne s'éparpille plus? C'est de faire en sorte que Bandakani candidat, Cabral Libi candidat, aussi candidat, Nietzsche candidat et patati et patata, que toutes ces personnes entourent une. Parce que lorsque toutes ces personnes vont entourer une, tous les soutiens politiques de Bandakani vont se reconnaître dans la personne que Bandakani a décidé de soutenir. Très bien. Nous sommes dans la stratégie. Toutes les personnes qui peuvent voter SDF vont se retrouver dans le candidat que le SDF a décidé de soutenir. Très bien. Maintenant, dernier problème à résoudre. Comment arriver au candidat de large consensus? Comment arriver au candidat de large consensus? Maintenant que tout le monde a compris que individuellement, je ne peux pas gagner. Et si je continue la stratégie individualiste, je suis responsable de la défaite. Très bien. Comment faire donc pour arriver au consensus? Ça, vous sortez par là. Le consensus, c'est quelque chose qui se discute. Et on peut y arriver à condition que la discussion soit franche. Pour que la discussion soit franche, on revient sur ce que nous avons déjà fait. C'est de montrer à chacun ses faiblesses par rapport à l'autre. Par exemple. Il n'y a que ça. Si Cabral Libi veut être candidat, il est assis. Aussi est assis, il veut être candidat. Tantapion est assis, il veut être candidat. Bon. On les laisse nous exprimer chacun ses choses. Mais ça, c'est la volonté. Puis maintenant, les capacités que chacun a. Quelles sont les capacités que tu as dans ta pion? Et toi, tu peux couvrir combien de circonscriptions? Il va commencer un débat du genre, le nombre de circonscriptions dans lesquelles je suis n'est pas important. Faux, c'est important. Puisque nous venons de montrer que
les circonscriptions dans lesquelles tu peux te présenter constituent un relais. On en finira par, on reviendra autrement sur ce départ de débat. Même je considère que le débat est en train d'avancer. Nous y reviendrons. Je considère que nous progressons dans la... Dans la Non, Ndjor, c'est lui qui nous donne la parole. Dans ce pays, c'est Ndjor qui donne la parole. Donc ce n'est pas la peine de me la prendre pour la lui donner, parce que lui, il a la parole. On va quand même lui permettre. Hein? On va quand même lui permettre. Non, je conclue sur cette question en disant que le temps et les événements sont en train de faire en sorte que tous ceux qui restent dans le débat périphérique aérien pour refuser la signification des faiblesses, c'est-à-dire j'ai une faiblesse, je ne peux pas me présenter dans 360 circonscriptions parce que mon parti n'est pas là-bas. Tout à fait. C'est une faiblesse. Mais je refuse ce que signifie cette faiblesse. Cette faiblesse signifie que Biaki, lui, peut se présenter à des gens partout, a un avantage du point de vue de la capacité à passer une information dans les esprits. Tout à fait. Tous ceux qui vont continuer à faire ce débat en 2025 qui arrive là, c'est eux nos véritables adversaires. Parce que l'analyse montre que le RDPC ne gagne pas parce qu'il fait bien. Il gagne parce que les... Il ne gagne... Et Mounjo a beaucoup parlé de convaincre. Je suis d'accord avec vous et le mot. Vous convainquez. Oui. Mais vous ne convainquez pas sur le bien. Vous ne convainquez pas sur la qualité de votre gouvernance. On ne vous élit pas pour la qualité de votre gouvernance. Vous convainquez sur une chose que l'opposition ne veut pas accepter. Vous convainquez sur l'idée que l'opposition n'est pas la bonne alternative. Très bien, Abel Edibi Nobel, merci vous beaucoup. Vous réussissez à faire croire aux gens. Merci. Parce que les gens voient. Merci beaucoup, Patriarche. Que l'opposition n'est pas en l'état de faire la bonne alternative. Patriarche Edibi Nobel, je vous en prie, merci beaucoup. Allez, Valentin Dior, les 5-6 dernières minutes vous appartiennent. Même si c'est vous qui donnez la parole aux autres, prenez-en. Encore que c'est lui qui a commencé le dernier tour. Je vais partager les 6 dernières minutes avec les autres coupables. Oui, prends une, tu me donnes ici. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai retenu une notion, le vote contestataire. Oui, c'est une chimère dans l'esprit du patriarche. Parce que on ne peut pas parler d'un vote contestataire quand on a un leader qui conduit les aspirations d'un peuple qui est face à une pluralité de candidats. Non. On ne peut pas parler d'un vote contestataire parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des compatriotes, de ces candidats qui ont pensé donner de leur confiance, accorder de leur confiance à ceux dont ils ont pensé être, je prends les mots du docteur, pour dire, on pensait que face aux différentes offres politiques, l'offre la plus alléchante, c'est celle du grand homme. Parce qu'il faut, le grand homme, le leader, il est celui-là qui est beaucoup plus représentatif des intérêts du peuple. Et c'est pour ça que je reviens, je dis, votre contestataire, c'est juste de l'imagination ou de l'imaginaire, une expression qui relève de ceux des opposants, des esprits de ceux des opposants. Il est clair que le RDPC fait un travail considérable pour convaincre déjà l'opinion de la qualité, des résultats s'en suivent, de la qualité des politiques publiques qui sont menées. Oui, sur tous les plans. Et c'est pour ça que
Je vais inviter nos compatriotes, parce que c'est de cela qu'il est question. Vous voyez qui partageait les 6 minutes là. Je vais inviter nos compatriotes et leur dire que justement, le grand homme reste et demeure pour le moment le président national du RDPC, son excellence Paul Biya. Le patriarche de 90 ans. Notre candidat naturel et par conséquent, plus que jamais, les Camerounais doivent se mobiliser, doivent fortement se mobiliser pour accompagner le président de la République. Le président Bandakani a parlé de... c'est en train de m'échapper, de panafricanisme. Un combat qu'il mène. Et je pense que lors de la dernière élection présidentielle, Bandakani était dans ma circonscription administrative au meeting du RDPC. Oui, je salue cela, cette présence-là. Comme, je ne sais pas, il a peut-être le secret de... Mais il était présent. Il a accompagné, il a soutenu, justement, la candidature du président Paul Biya. Certainement parce qu'il voit en lui ce grand homme, le seul capable de défendre les intérêts des Africains. Parce que c'est ça aussi qu'il est, c'est de cela qu'il est question. Merci beaucoup, Valentin Dior. Vous avez fait partie. Président Bandakani, franchement, nous n'avons plus le temps. Est-ce que la réalisation peut me donner 2 petites minutes pour permettre au président Bandakani de conclure? Je vous en prie. Président Bandakani, allez dire rapidement. On a plus bon, temps. Il prend une minute, moi je prends. Allez-y, président Bandakani. Non, je voudrais juste dire que Abel Elimbi Lobel n'a pas franchi le pas qu'il a franchi parce que ça n'a pas servi la stratégie qu'il entend mettre en œuvre. Parce que vous ne pouvez pas dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont vos ennemis. En politique, il faut admettre qu'il y a le désaccord, même dans la stratégie. Il faut admettre ça. Il y en a qui ne pensent pas à l'avenir de l'opposition comme vous. Ils ne sont pas forcément des démons, des traîtres avec qui vous allez entrer en guerre. Moi, c'est la seule nuance que je mets là-dedans. Parce qu'il y a d'autres scénarios historiques et qui on a vu ailleurs. Il a fait une brillante analyse, il a convoqué un cas, ça m'a impressionné, qui laisse quand même moi, le cas Tshisekedi. Tshisekedi était opposé à Kabila avant l'élection présidentielle. Très opposé à lui. C'est Kabila qui crée les conditions de l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi. C'est connu. C'est connu. Il y en a même qui démontrent qu'il n'a pas gagné l'élection. Je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est connu. Ce sont des scénarios imprévisibles dans le champ politique. Le champ politique est imprévisible. Il faut que nous ayons des stratégies qui intègrent toutes les imprévisibilités dans le combat politique. Pour le reste, la manière dont ce monsieur, mon ami du RDPC, monsieur Dior, c'est pas un monsieur, c'est un grand monsieur pour qui j'ai du respect, la manière dont il assimile le soutien que j'ai apporté au président Biya relève une fois de plus de la légitimité avec laquelle ils abordent les choses. Attendez, c'est important de clarifier ça. C'est important de clarifier, parce qu'il ne dit pas cette partie. Je suis chez moi... Pourquoi vous avez soutenu le président? Non, je ne dis plus, je ne vais expliquer ici, plus là. Je vais lui dire une chose qu'il oublie. Je suis chez moi, il est venu me chercher. Sur la base d'un accord politique, le document existe. Que le président Biya ou le RDPC, pour l'instant, ne sont pas en train de satisfaire. Et ça, c'est votre responsabilité. Pour l'intérêt du pays, on l'a fait. Si pour vous, intérêt du pays s'analyse comme vous le faites, très bien. Il y a de fortes raisons de croire que il y a des surprises que nous attendons dans l'avenir. Merci beaucoup, président Bandakani. Abel Elimbi Lobé, nous ne pouvons plus. Non, juste pour dire, Andjo, que c'est très démagogue de dire que le vote contestataire est une vision chimérique. C'est faux. Si... dans notre contexte, le président Biya, il est dit qu'il a gagné les élections présidentielles avec 72%. Ça veut dire que c'est 20,
Ça veut dire que c'est 28% qui le contestent. Envoyez-moi le générique, s'il vous plaît. Du coup, le vote contestataire Badakani, un est minoritaire. Le mouvement populaire était avec vous êtes d'accord quand je le dis. Mais quand je vous dis dans d'autres circonstances que le vote contestataire est majoritaire, vous dites non. Donc le vote contestataire n'est pas une vision de l'esprit. Envoyez le générique.